Au Parlement européen, un vote non contraignant est prévu sur la poursuite ou la suspension des négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Ce vote survient après la répression sans précédent du gouvernement turc à la suite de l'échec du coup d'État. La répression a conduit à l'arrestation de fonctionnaires, de journalistes et de politiciens pro-kurdes, ainsi qu'à la fermeture de centaines de médias et d'organisations de la société civile. Le président turc a déclaré que ce vote n'avait aucune valeur pour son pays. Quel que soit son résultat, à nos yeux, ce vote n'a aucune valeur. La lutte de ce pays pour sa stabilité et son avenir ne seront pas interrompues par la levée ou la baisse des mains des députés européens. Ce pays a montré au monde durant la soirée du 15 juillet qu'il était un vrai démocrate et qu'il était prêt à risquer sa vie pour ses droits, sa liberté et son honneur.